Donc tout le monde est comme promis, on se retrouve pour la suite, du coup, de Light Night. Light. Oh putain. La meuf sexy qui revient. Voilà. J'ai remarqué en plus dans la première vidéo que je parlais peut-être un peu trop près du micro, donc là je l'ai légèrement éloigné. En fait, c'est. Avec OBS, il y a une nouvelle fonction qui permet d'enlever le bruit, etc. Et donc du coup, mon micro va beaucoup plus fort que d'habitude. Donc c'est pour ça que c'est assez perturbant. Bon, on allait utiliser le téléporteur. Voir un petit peu... Non mais la taille de ces sous-titres quand même. Il faut que j'évite de parler trop fort. Sois inquiète pour Snow, je devrais... Bah, tu pourrais, mais je te conseille d'aller dans une autre ville. Tu veux que j'abandonne Snow? En bas, le temps s'est arrêté. Je risque vraiment pas de les rater, ces sous-titres. Ah, mais c'est ça la fonction zoom, du coup. Mais c'est énorme. C'est énormément trop gros. Non, on va l'en... non. On va d'abord réduire la taille de ces sous-titres. Fonction loop. Non, non, parce que c'est vraiment trop grand. Mais j'avais déjà fait mes styles, hein. Ah, mais je peux faire des styles de réserve. Bah écoutez, on va faire celui-là en réserve. Celle-là. Et en... Bah voilà. Comme ça. Et en compétences, on va lui mettre... J'ai rien parce que j'ai rien. Et parce que si j'en fais un... Enregistrer le style. Okay. Bah, ce sera pour plus tard. Parce qu'on n'a rien à lui mettre. Oui, je veux retourner sur Nova Truc. Il y a la capitale. Je vais être perdu. Je suis sûr, si c'est un monde ouvert ou un truc comme ça, je vais être perdu. Et je prends le train. Ok. On va voir. Ah, si je pouvais être pareil. Allez, je serais prudent, t'inquiète. Ah, je peux bouger la caméra. Ok. Jour. C'est super temps de chargement hallucinogène. Qui lag d'ailleurs. Toutes les scènes en fait. Yusman? Yusman. Par contre, si je me promène avec mon arme, etc., je vais pas un peu légèrement grave me faire repérer. Ouais, d'accord. Et mon épée qui vole dans mon dos. Non, je suis discret. Discrète. Pas de problème. Je passe inaperçu. On m'en remarque pas du tout. Le truc est toujours mis. Ouais. Je ne sais pas lire. D'accord. Luxerium. 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 Luxerian. Luxerian. Je sais pas. Je sais pas si c'était un A. Ah, ok, Luxerium. Luxerion. L'histoire a l'air cool quand même. Hein. Puissante secte. Elle a l'air pas mal, elle. Ah, mais c'est le... Lumi truc, là. Petite Kaira du quartier. Vous me montrez ça parce que c'est le truc que je vais devoir aller chercher? Ou vous me le montrez comme ça? Oh oui, le petit gros plan comme ça. Morte?
Ah oui, elle est effectivement bien morte. Et les gens ils passent comme ça à côté, ils en ont rien à foutre, genre... Ah d'accord, donc ça ils s'en foutent pas. Donc un cadavre. Ça c'est genre... Oh bon, bah les couilles. Et mais attends. Ah d'accord, ils se foutent de ma gueule. Alors d'accord, donc un cadavre sur le sol, genre... Oh. Oh, c'est pas grave, c'est les hérétiques. Mais alors, un pantin, c'est... Oh mon dieu. Ok. À ta main qui va te passer dans ta jambe. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est au cas où tu l'avais remarqué. Alors, le chemin de la foi, difficulté 2, blablabla, rapport, on sait pas, client, un inquisiteur, accepter la quête, oui. Ah, d'accord, X. Quête acceptée. Pas de soucis, de toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose. Ah oui. Ah oui. Ah, mais c'est ça, du coup, la ville. Ah, mais c'est pas mal. On est comme ça dans... Ah, attendez, il y a un truc à... Merde. Ah. What? Mais c'est si grand que ça? Ah, sérieux? Il reste 6 jours, 21h. Je pensais que j'en avais 13, je crois que c'était un knock. Ça, j'ai écrit en lettres sacrées des trois sur ce parchemin. La vie libératrice, prière de la main, chasseur de l'ombre. Tu as obtenu une information. Oui, mais le truc, c'est que ça, on me l'a dit juste avant. Ah, mais il faut que je me grouille, du coup. Oui. Oui, bah, l'inquisiteur, oui. Salut. Bah, il est cette affaire rapidement. Difficulté, la lumière a été le théâtre du meurtre de 3 jeunes filles en 3 jours. Ah, merde. C'est peut-être. Jack l'Éventreur ou un truc comme ça, non? D'accord. Ah bah, c'est bizarre. Des cheveux roses. Je vois pas pourquoi on les tue. Hein. Je me sens pas concerné. D'accord. Pourquoi il se barre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois faire quoi? Les secondaires mis à jour. Oh. Non, ça je l'ai déjà vu. Et t'attends une fille avec des cheveux roses, c'est ça? Ah d'accord, son remplaçant. Ok. C'est vivement les nouvelles trucs. On peut pas enlever les gros trucs sur ses jambes, ça serait vachement, vachement mieux. Ouais. Ah ouais, j'y penserais, ouais. Mais j'aime pas trop toutes les quêtes... accessoires, enfin secondaires comme ça, quand j'ai 3 millions de trucs à faire. Oui, les quêtes secondaires, oui, merci. D'accord, donc à chaque fois. Ok, donc à chaque fois que quelqu'un aura une petite étoile, c'est qu'il a une quête. Ok. Et lui, il en a une. C'est le mec qui nous a parlé tout à l'heure. Blablabla, et maintenant... Et d'accord, je suis perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Quête principale. Ici, les issues de la place de la gare où le cadavre a été retrouvé ont été fermées. Les enquêteurs, en interrogeant des témoins, en trouvant des pistes qu'ils pourraient suivre. Ok. Mais je vais lui parler déjà. Ok, donc il faut... je parle aux gens. Vas-y, t'en fous. Toi?
Non, toi tu t'en fous aussi. Mais ça, j'ai déjà examiné. Maintenant, il faut peut-être le réexaminer parce que j'ai pris la quête. Non. Enquêteur. Ok. Il y a l'inquisiteur là, mais je lui ai déjà parlé. Ah, peut-être l'échelle. On ne sait jamais. Il faut que l'enquête avance pour qu'il lève le blocus. Oui, mais le truc, c'est que je sais pas quoi faire, mec. Et c'est génial. Je sais pas. Attends, c'est quoi ça? Gare. Prends rien. Où aller? Bon, on va aller par là. Ah, elle. On dit que ces gens créeraient des problèmes, j'avais raison. Bah, toutes les nuits, ces types bizarres en manteau blanc qui rentrent dans les rues. Si le blanc, c'est hérétique maintenant. Je suis sûr d'une chose, c'est que c'est. Ok. Hérétique, prenne le reste. Sur la place de la gare. Et qu'ils se retrouvent ici pour aller ensemble, autre part. D'ailleurs, c'est souvent à cette heure-ci qu'ils viennent. Ok. Attends, il y a l'employé de la gare. Nous excuse, les trains ne roulent plus. Ok, on va bat les couilles, hein. Sur la place de la gare. Lui, c'est celui qui cherche son pote. Là, il y a quelqu'un. Il faut aucun doute pour personne qui est responsable de ces meurtres sur les hérétiques lors de basse. Ok, les fanatiques des trosses dans la laboratoire de la déesse de la mort, partout, ce sont blablabla. Oui, les enfants des utilisés à la cabine téléphonique près du cimetière. Ce qui est à la voie basse dans la rue, rôde dans la cité la nuit, je me demande ce qu'il manigance. Vous avez obtenu une information. Il y a un truc là. S'en fout. L'heure et tout en plus. T'as une cabine téléphonique. Lui là, l'aubergiste, il doit savoir qui. Hey, mais attendez, Holm, c'est pas le mec. Ouais. Bah, il était juste à. Juste à 2 mètres. Ah ouais? Ça m'intéresse du coup. Bah, ils t'ont peut-être pas vu. Et où exactement? Ouais, je te mets à la gare. Elle est juste à 2 pas, donc t'inquiète. Mais tellement effet que vous devez rester près de lui pour qu'il vous suive. Mieux vaut marcher. D'accord. Ah, viens. Viens, mec. Ah, il a l'armurier aussi. En fait, tu fais ça juste pour mater le cul de Light. C'est ça. C'est à vous. Ah mais c'est ça la cabine téléphonique? Ou alors c'est juste un truc? Allez viens. Eh merde, c'est vrai, il faut marcher parce qu'il est trop con. Et tu m'as pris pour ton ex-core girl ou quoi? T'as pas envie de te bouger le cul plus vite? Regarde là, t'as ton pote, regarde. Regarde, j'ai ramené ton ami. Qui est à 2 mètres. Oui, hey, il est vivant, il est juste à côté. Ah, c'est son chef, d'accord. Okay. À côté, c'est vrai que si tu voyais un cadavre et puis un truc comme ça. C'est pas très rassurant. Ok. Attends, il y a des gens en cosplay derrière.
Et si ça sert peut-être assez pour sauver une âme. Peut-être. Quête terminée. Elle m'a gagné, m'a donné quoi? Une casquette de cheminot. Et un béret ferroviaire. Aucune idée de ce que ça sort. Ok, d'accord, donc j'ai gagné des PV max, de la force. Ah, mais ça donne... C'est cool alors de faire des quêtes secondaires. C'est pas mal. Les enfants des Troyes ont jeté le mannequin au niveau de la tour. Ok. J'ai obtenu une information. D'accord. Ok, retournons voir l'inquisiteur. Inquisiteur, j'ai quelque chose pour toi. Des infos. Ouais, j'ai des infos, ouais. De toute façon, je commençais à me faire une image plus claire de cette affaire, mais il me manque des éléments importants. Bah ouais, mais désolé, grave votre témoignage. Idée de ce machin, l'autre qui me pousse. D'accord, oui, bah oui. Nous allons devoir manier les barrages. Ok. Alors. Allons voir l'armurier. On croit que ce qu'on raconte, les enfants des Tro auraient un lecteur d'oracle. C'est plutôt rare. On dit que les lecteurs d'oracle sont d'étranges appareils permettant de voir l'avenir, la prophétie des hérétiques. Je ne sais pas ce qu'il y voit, mais ça pourrait être suffisant pour les pousser au meurtre. D'accord. L'aubergiste, je ne sais plus si on lui avait parlé. Venu ici qu'il est, ou plutôt était. Cet homme qu'on appelle le chasseur de l'ombre, en est-il l'astigateur? Eh, mais salut toi! Ouais? Ah non, ils sont tous méchants, c'est tous des connards. Ouais, bah dès que je vois des gens blancs, je refonce dessus, t'inquiète. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Quête principale mise à jour. On va sauvegarder, ouais. C'est une bonne chose. Du coup... Voyons voir la quête principale, la quête secondaire. Ah, le chemin de la foi. Les environs de la gare ont été verrouillés. Donc c'est... trait des informations, oui... Ah, bah oui, mais jouer en plus... blablabla, elle doit partager ce qu'elle sait avec l'inquisiteur. Je dois re-aller voir l'inquisiteur? Là, il y a quelqu'un, Lui, c'est des trucs. Cette zone est bouclée, personne ne passe sans permission. Allons voir l'inquisiteur. Ah, regardez, il a un point là. Bon, bah, je vais revoir l'inquisiteur. Qui bizarrement traîne dans cette cabine téléphonique. Type d'ADS sont ensemble. Si vous levez le Oculus, ils vont probablement quitter la zone. D'accord. Entre eux des témoins, nous pouvons savoir qui a perdu ce mannequin de l'horloge. Les enfants les trop. Le truc que j'ai su il y a 2 secondes. Ouais. D'accord. C'est l'heure ignorant ne croyez. Oh, c'est lui divin. C'est leur désespoir qui les a menés à commettre de telles actions. En fait, les sous-titres sont trop gros pour les lire. C'est très grand dans mon écran. Ok. Oni, c'est que le rejet fanatique de la libératrice n'a fait que renforcer ma propre foi, même que ce ne soit l'homme de la libératrice en personne. Si votre foi est votre salut, continuez. Oula, caméra! Ah oui, mais c'est vrai, je peux bouger la cam. Qui est terminé, ok. Ah d'accord. Récompense. Alors, lunettes de veuve noire. C'est des accessoires. En fait, ouais, j'avais oublié le détail que je peux faire carrément tourner un petit peu bouger la caméra.
Maintenant que les bocus. Oui, je peux aller. Ou obtenu. Chronostase. D'accord. Chronostase est une compétence spéciale qui quitte de la libératrice qui a un manipulé à train spécial pour elle. Lorsque la chronostase est active, le cours du temps s'arrête mais les gens poursuivent l'activité. Cela vous permet par exemple de prolonger le délai d'une quête dont l'échéance s'approche que vous n'auriez normalement pas eu le temps de terminer. C'est bien. Ok. Ok. C'est bien, c'est bien. Dossier mis à jour. Attends, quête. Principale. Quand la nuit, les enfants des trolls sont ensemble près de la gare. C'est un lien avec les différents cadavres trouvés. D'accord. Ouais. Secondaire. Ok, bah j'ai fait les deux. Ah si, je pose le pouvoir divin. Quête secondaire mis à jour. Non, mais je vais aller à l'armurerie, moi. L'informateur. Bon, allez, c'est bon. On va aller voir l'informateur. Ça va. Qu'est-ce que tu veux? Secret de monstre. En fou. Analyse des ennemis. Ouais, c'est génial. Ah ouais, sa formation. L'informateur en des ouvrages. Ah, bah ça va alors. C'est pas mal. Ouais, j'achète. Ça peut peut-être être utile. Je sais pas. Oh, l'armurerie. Doit avoir des petites tenues, des petits trucs. Des tenues, des ornements. Acheter. Nocturne. Ah, pas mal. Ouais. Ah, là il a attaque niveau 2. Et garde niveau 2. Ça sert à quoi? Juste des petits accessoires pour faire joli. C'est très bien, nocturne. 1250, j'ai 4000. Juste pour l'attaque niveau 2 en fait. PV max augmente de 15% les PV maximum, augmente la force de 40. Ah, c'est bien. Augmente les PV. Ouais, pareil. Ça sert à rien, ça. Je vais acheter nocturne. Ouais. Chaîne nocturne. On l'équipera plus tard, par contre. Là. Ah, oui, ça va, je peux aller là maintenant. Ah, vous parlez pas, en fait. Restaurateur. Allons voir. Eh bien, New York, désirez-vous? J'ai aucune idée. Mais j'ai pas de regarder mes PV. Non, non. Ça, c'est quoi? Tavernière. Non, non. J'ai pas besoin de mes PV, ça se régénère parce que je suis en facile comme un petit noob. Alors. C'était en train de faire. Salut. Passage des Roms, non. Je sais pas du tout si c'est là qu'il faut que j'aille. Je me dis, ça a l'air un peu. Ah, l'entrée du cimetière abandonné. C'était pas justement. Par là. Une grille condamnée. Oui. C'est un truc d'or, je suis dans la merde. Hein. Quête secondaire. J'avais pas un truc. Ennui, oui, blablabla. Un autre snow. Là, j'ai terminé. Pas quoi faire. On va retourner par là. Sans perdu quand même. J'ai pas l'habitude de ce genre de jeu comme ça ces derniers temps.
Salut, salut, salut. Salut. Ah, d'accord, monstre. Je me demandais c'était quoi ce point. Ah non, c'est vrai, allez. Mais non, en fait, tu t'en fous, je t'ai choqué au bon moment. M'attaque ? Non. Oui. Est-ce que quand je suis dans les menus, le temps s'efface ? Enfin, le temps s'écoule. Parce que... Pelage de glouton, aucune idée à quoi ça sert. Bon. Salut. Grillé temporairement. Est-ce que quand je suis dans... Attends, vous allez me dire que même dans les menus, ça s'écoule ? Vous êtes pas sérieux ? Moi que c'est juste pour m'afficher ça. Peut-être Lien ensorceleuse. Mettre bah ouais, nocturne. Et alors vraiment pas mal hein, pour l'attaque. J'ai ouverture. Mais ouverture elle est déjà sur quelqu'un. Donc ça va pas. Eh, tant pis pour les PV max. J'ai toujours pas d'accessoires. Ah bah si. Oh putain, c'est trop l'air. Mais c'est bien quand même que ça s'affiche sur le perso. Ça c'est un truc assez cool. Oh, on va lui mettre des lunettes, allez. Du coup, j'ai attaque, glace. Ouais, bah oui. J'ai l'impression de vraiment faire n'importe quoi. Voilà, alors je me change de fringue en pleine ville, mais c'est pas grave. Bon. Perdu, mais c'est dingue. Hein. Ils lui disent de où il faut que j'aille. Ok. Elle est bizarre ta tenue, hein, madame. D'accord. Je te veux bien ce soir, mais t'es un peu spécial. Hein. Les petites lunettes. Moi j'ai eu bien de lui parler. Hein. Enfin, sans ces trucs sur ses bras et ce chapeau bizarre peut-être. Ok, c'est quoi, j'en prie leur bonne étoile. D'accord. Le tableau des prières près des gardes dans chaque région des quêtes, ils sont proposés. Ok. Oui. Ah oui. Ça sert à quoi les plages de gloutons? Ah non, voilà, c'est ce qu'elle veut. D'accord, je jette les trucs que j'ai pas besoin en fait. Cœur brillant. En plus, j'ai gagné un peu de force. Peau déchirée, mais j'en ai pas. Mais je le prends pour quand j'en aurai. Et. Cœur liquide, j'en ai pas non plus, mais je le prends pour quand j'en aurai. Voilà. Oui, tu me dois des trucs.
Chocoboko, ça faisait longtemps. Oui, ça fait 2 secondes. Ah, elle connaît la sœur, d'accord. Vous avez des serrages, je ne voudrais pas vous enfoncer, mais vous n'êtes pas tout à fait humaine alors. Non. Attends, Choco. T'as Choco pas, c'est ça? La tenue. Fais confiance à la tenue, t'inquiète. S'en bat les couilles. Oui, mais ça, c'est déjà les quêtes. Moi, je veux juste ma récompense. Pas des nouvelles quêtes, je vais te les prendre. C'est celle que j'ai, là. Les quêtes. Ok. Bon, on va te laisser tomber, toi, hein. Bon. Je suppose que je peux rien faire là-bas. Encore. C'est fermé. On s'en doute un peu. En fait, il y avait des... Non. Il s'est passé un truc là. Il y a des petits ralentissements en fait. Mais je me demandais si c'était à cause de l'effet que je rajoute. Mais en fait non. Marchand, tu vois quoi. Non bah c'est bon. Pourquoi la musique a changé comme ça d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien de spécial, hein? Alors, pour aller de la gare, je lui ai déjà parlé. Rien non plus. Je sais pas. Je vais... Ok... On va... La musique s'est excitée, on ne sait pas pourquoi. Ah, salut. Ça va? Non, non. Non. Ok. Non mais vous m'avez pas vu, je savais pas que vous étiez là. Il fallait le dire. La nouvelle tenue, c'est quoi encore? Je me garde! Les combats sont déjà un peu plus cool, hein. Oh bah, fous-moi la paix, toi. Ah oui, c'est vrai, celle-là, cette tenue est forte en attaque, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Et on le finit avec la nocturne. Petit coup de glace. Non, dégage. De toute façon, je suis pas vraiment obligé de faire attention à ma vie puisque je suis en facile. Je régénère ma vie de toute façon après, donc voilà. Voilà, donc il faut que je me souvienne. Nocturne égale attaque. C'est vraiment très beau sur mon deuxième écran. Oui, une médaille de bronze. Bon, la discrétion c'est pas ça. Hein. On va se planquer. Mais non, vous m'avez pas vu, ça se peut pas. Cassez-vous. Non.
Non. Bon, ok. Ah là là. À discrétion, quoi. Non, mais tu sais quoi? Voilà. Mais c'est vraiment chaud de se déplacer, par contre, hein. Ah oui, mais d'accord, c'est vrai, je peux bêtement faire ça, en fait. On s'en fout du déplacement. Ça va, on s'en tape en fait du déplacement, il n'y a pas vraiment besoin. Je peux switch de cible bêtement avec un bouton. Oui, bah ils ont rien. Muta, bétail, attaque physique ou magique, ils gardent. Ou alors PV, tout ça, ok. Aïe! Non, mauvaise touche, pardon, excuse-moi. Je te finis à la glace. Non. Ouais, je perds quand même la moitié de ma vie sans un combat de merde, mais ça va. Tout va bien. Je sens que je vais crever sans les boss, mais ça va. Tout va bien. Style. Ah, j'ai pas gagné d'accessoires. Ah non, j'ai gagné un truc de merde en fait. Ok. Mais non! Non, c'est pas vrai, regardez! Vous m'avez pas vu? Bah, je ne suis pas là! Merde! C'est celui-là que je veux en fait, c'est Nocturne, mais c'est pas grave. Ouais, mais les mini-réflexes. Problème, toi? C'est de la glace! Allez, tapez-moi! Me cherche. Ouais, les combats c'est particulier, c'est pas dur, mais c'est juste l'habitude. C'est vraiment l'habitude. Faut de me taper aussi. Bon, on s'en bat les couilles. Quand même vachement plus attaque que magie, hein. Mais PV c'était pas censé se régénérer. Ceux-là, c'est pas qu'ils sont pas vraiment très régénérés, mais... Ou alors, j'ai pris vraiment cher. Il faut peut-être plus que j'utilise la chrono-truc. Je sais pas. Est-ce que mes points de chrono-chose se remettent à chaque fois? Sinon, je spam tout le temps. Bah, le combat, c'est pas ça, hein. Ok. Donc, mes PV se régénèrent, effectivement. Par contre, si j'enchaîne les combats... Oui, donc maintenant, je dois aller où? Certaines cabines téléphoniques, téléphone sonne en pleine nuit, sous personne à l'entour, pour y répondre. D'accord. Je n'ai aucune idée de où c'est. Mais c'est pas grave. On va aller... Il me semble qu'il y avait un truc de téléphone par là, justement.
Comme de par hasard. Salut. Comme de par hasard. Oula, ton truc te passe à travers la main. Je les connais pas. 1, 2, 3, 4. Ah mais j'ai oublié, c'est tout. Je sais pas, 2, 3, 4. Okay, mais je les connais pas. Hein. Génial. Le paiement doit annuler les fidèles se... de blablabla. S'il veut entrer dans leur repère et perturber le sommeil, il doit reconstituer les codes dans les 4 chiffres qui apparaissent à différents endroits de l'Occident. Chiffre apparaissent à 6h du matin et ne change jamais. Merde. C'est un peu chiant par contre le côté. Ça s'ouvre à certaines heures, tout ça. Bon bah, la recherche alors. What? Ok, d'accord. Bon, bah, on va chercher les trucs sur les murs alors. À 6 heures et ça change pas. On va regarder sur tous les murs, tous les trucs. Oui, non, arrête de foncer dans le truc, s'il te plaît. Je vais être perdu avec le truc des heures. Ça affiche qu'à certains moments. Chiffre. Ah, salut. Je t'avais pas vu. Ça va bien. Ouais, mais assez fragile, hein. Oui. Bon. Tout ça ne m'avance pas pour mes chiffres. Donc, effectivement, il n'y a pas de chiffre par là. Je sais pas. Là. Ah, il y a une échelle. Ça sert à quoi? D'accord. Ok, donc il y a des petits recoins comme ça qui servent à que dalle. Okay. On est d'accord? On va chercher des chiffres. Médaille de bronze, normal. On va quand même un petit peu regarder. De la quête. Boulot des prières, qu'est-ce que c'est que ce truc? Un petit parfait. Ah non, d'accord, ça c'est le... Ok. D'accord... Oui. Ah là, c'est bien ça alors du coup. Regarde sur les murs. C'est génial. Attendez, lui, on va se le choper. Je disais, on va se le choper. Ça fait encore 40 minutes. Bah, elle est pas mal quand même, cette nouvelle tenue. Avec attaque, elle fait vraiment mal. Avec cette nouvelle épée. Elle est vraiment bien. Contre ces monstres. On a un petit pelage de glouton. J'espère que les chiffres au moins ils se repéreront. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bon.
Plus rien. On repart par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bolet foudroyé, ok. Cowboy Express. Ah, bonjour. Mais non, je vais la tuer, t'inquiète. Très bon, chasseurs de primes sont portés volontaires pour tuer la bête. 13, ça aurait dû suffire, non? Devinez combien ont survécu? Un seul, les autres sont morts. Le survivant, c'est moi, mon dieu. Bon sang, merci, avec lequel ils ont même. Croix de dragon, m'ont dit. Bah oui. Moi, je prends. Sinon, je sais pas si filmer en 60 fps, c'est vraiment super intéressant. À part me faire des vidéos énormes à upload. Surtout qu'en plus, pendant les scènes, c'est même pas à 60. Après, j'ai mis tout le graphisme à fond et tout, donc c'est peut-être ça. Avançons discrètement. Ok, d'accord. Discrétion, ça marche pas. Ça marche vraiment, vraiment bien. Après, c'est mode facile aussi. Hein. Salut. Ça va? Oh, tu me fais penser au premier boss, mais c'est pas grave. Oh, tu es sensible à quoi? Aucune idée. Ah, tu peux looter 3 trucs. Oh, tu sais quoi? On va profiter. T'es en... Non. Ouf. Ça marche pas beaucoup. Et la glace, ça marche pas du tout. Bon bah l'attaque. Ok. Bon, là je l'ai gardé. C'est pas en divine que je veux. C'est en nocturne. Un truc? C'est quoi? On va profiter. Tout se passe bien jusqu'ici. Garde! Garde-moi ça! Aïe! Peut-être que je me recule en fait. Aïe! Ok. Rien? Comment j'utilise mes objets en fait, mes potions, tout ça? Est-ce que vous me l'avez pas dit? Je vous explique. D'accord. Pas utiliser les potions et ça pendant les combats? Ah bah si. Ouais, ouais, utilise une potion. Je fais vraiment n'importe quoi. Il est à terre. Génial. La foot, ça marche. C'est vraiment de la grosse merde. Hein. Et il fait ton truc. Parfait. Aïe. Comment je te choque? T'es sensible à quoi? Ah! D'accord. Sensible à la foudre.
Bah, je crois. Putain, je prends tellement cher. Je vois plus rien. Non, non, j'ai absolument pas perdu plein de vie. Tout va bien. Croix de dragon, plume de dragon. Ok. Ah, bah il m'en fallait justement 3. Bon, je suppose qu'il y a un truc intéressant là-bas maintenant, non? Genre un numéro. Allez, juste le chaos. Quoi? Où? Quoi? D'accord, je comprends rien. Ok, donc quand ils sont là-dedans, ils sont plus forts, etc. Mais ils me donnent plus de trucs. Ok. Ah oui, effectivement, le chrono truc, ça me... C'est un à chaque fois. Ah, c'est 5 à chaque fois, je veux dire. Bon. Allez, tu loot. Plus. Bah, c'est cool. C'est quoi? Une graine d'âme, je sais pas à quoi ça sert. J'ai toujours pas trouvé ces numéros, c'est dingue. Ou il faut vraiment que j'attende 6 heures? Vous avez dit machin, 6 heures, tout ça, les numéros se changent, se mettent et ne changent plus. Un truc marchait. Salut. Ça va. Merde. Il m'a repéré. Ah mais j'ai pas encore vu ça. Sens si bien. Vulnérable à l'attaque de base. Pas de problème. Ah oui. Ah la vache. Ah c'est... T'es très sensible. La loot foudre numéro 1. Oh. Pas mal. Pas mal. Style. Ah du coup nocturne, tu vas gagner foudre à la place de... Tu vas gagner foudre. À la place. Bon. Salut. Ok. Cause du chaos là, mais il n'a plus de sens, alors vous voulez tout balancer? Non, on se connaît pas, non. Je sais pas qui c'est. Ah, ça dépend. Une carte de membre pour 2000. Ok. Je sais pas à quoi ça sert. J'ai l'impression de me faire arnaquer. Mais c'est pas grave. Les graines d'âne sont de petites machins qui vont être du chaos. C'est pas le truc que je vais ramasser à 2 secondes. C'est le truc que j'ai ramassé tout à l'heure. Encore des œufs. Oui, oui, bref. T'achètes les graines. Ça va, j'ai compris. Achète mes graines. Tu les achètes à prix de merde. Mais bon, d'un côté.
C'est génial. Et terminé. C'est parfait. Tatouage noir. Ah, ça m'augmente ma force, mes PV, etc. Donc ça va. C'est cool. Tatouage noir, voyons voir. Pour nocturne. Ah, sa petite machette sur le bras. C'est mieux là, non? Ah! Ah, j'aime beaucoup. C'est, j'aime bien. Je laisse, je valide. Bon, bah, j'ai toujours pas mis numéro, n'empêche. Hein. Il est pas encore 6h. Alors, je sais pas s'ils apparaissent à 6h. Ou alors, j'ai juste pas compris où on va aller chercher. Ils avaient dit, de toute façon, si je les trouvais pas, je pouvais... écouter les discussions des gens. Examiner, je peux rien en faire. Ok, c'est génial. Bureau de Chocobo Express. Ah, mais t'as une quête, toi. Salut. Oui. Ah oui, c'est la quête que j'ai fait il y a 12 secondes. Ouais, t'es rude. Ouais, c'était pas simple. Qu'est-ce que tu me donnes? Des fringues, des armes? Ah, 6000. Ah, oh, bah, c'est cool. Non, ça a l'air en fait. Elle est... T'es chiante, mais ça va. On a vu pire, t'inquiète. Oui, blablabla. Allez, moi je veux juste voir mes stats que t'augmentes cette scène là. Ah, Pendragon. Et tricorne vert. Oh, cool. Oh, bah, force 12 et magie 10. C'est bien ça. Alors, peine dragon. Un bouclier, je suppose. Ouais. Ah, bah, classe. Waouh. Augmente mes PV de 3000. Ma vitesse d'ATB, par contre, descend et ma garde descend. Ça ira bien avec. C'est pas mal, hein. À la vitesse ATP, quoi. Après, ouais, je peux me faire un truc... un truc genre un peu de tank avec pas mal de PV. Histoire 2. Et ben voilà. C'est une bonne chose de fait. Est-ce qu'on peut faire d'autres? J'écoute ce que tu dis, voir si tu dis des trucs intéressants, mais voir non. Je vais pas me taper 3 milliards de droits d'auteur avec toutes ces chansons. Je vois rien, il fait trop noir ici par contre. Il y a un truc... Je suis censé faire attention à l'heure. Merde, j'ai raté. Vous faites défoncer à l'attaque de base, donc c'est bon. C'est bon. Encore un petit coup. J'ai envie d'avoir une nouvelle tenue. Mode facile. Ah, examiner. Chocobo, 11h-17h, ok. Bah, n'y en a pas encore, hein. Bon, y'a des gens là. Vous savez pas où sont les numéros? Par hasard. Est-ce qu'il faut vraiment que j'attende 6h? Secondaire, j'ai tout fait. Principal. Alors, je cherche du code. C'est bon. Ça change pas.
Toujours en galère. C'est peut-être à 6h vraiment. Ou alors c'est juste moi qui ai vraiment pas été au bon endroit. Ouais, il faut peut-être que je retourne. Il y a minuit, 6h, là c'est ouvert. Mais c'est méga loin. Vraiment que je fasse tout ça. Parce que moi je suis en train de tourner juste, juste en rond au même endroit en fait. Et par là. Essayer d'aller trouver le... Là c'est ouvert, donc on va aller tout droit. Profiter des endroits ouverts. Salut. Porte de la révélation. On n'est pas encore venu ici. Ça fait une heure. Bon, tant pis. Oui. Salut, je peux te parler? Ouais. L'événement terrifiant ici, entre les enfants des trônes. Lumière, blablabla. Ça m'apprend que d'un... Employé d'hôtel. Avez-vous une chambre? Non. D'accord, je peux attendre... Attends, jusque 6 heures? Ah, ça va, allez, viens ici. Oh, en fait, si c'est à 6 heures, je dors jusque 6 heures. Et après, en théorie. Ils sont censés se mettre. Si ça apparaît à 6 heures, ils ne changent pas jusque je sais pas quand. Tiens, un petit peu de foudre. Ah, mais t'aimes pas la foudre en fait. Ton âme est purifiée. L'âge de glouton, tout ça. Ouais, donc, si j'attends 6 heures, on peut quand même aller voir ce qu'il y a là-bas. C'est bien là-bas, non? En horloge. C'est vraiment trop grand. Ah, après 6 heures, trouver le code. Ok. Donc... Ouais, dodo jusqu'à 6 heures. Voilà. Et là, en théorie, les codes vont apparaître. En fait, je suis en train de chercher pour rien, quoi. C'est parce que je sais pas regarder une carte. Pas du premier jour, retour à l'arche. Non! Non, j'ai pas fini! Merde. Merde. J'ai perdu un jour, quoi. C'est la merde. J'avance pas beaucoup, beaucoup. Merci. Ah mais en fait la dernière c'est quand je lui démonstre. Un truc comme ça. Ok. Ben... C'est pas gagné hein. Ah, salut. Pas des cadeaux? Mage rouge, libératrice d'âme. Oh, bah génial. Bah écoute, merci. On a d'autres?
Un autre cadeau? Bon. Bah c'est génial. Bah, bon, voyons voir ça. Non merci. Ah, j'ai ruine lente. Ah. Mais du coup. Du coup. Divinité. J'aime bien la tenue, mais. Ça, c'est ma tenue. Gros dégâts. Ça, ça fait vraiment mal. Ça. En fait, tant qu'on s'en bat un peu les couilles. Celle-là, elle est un peu kiff-kiff, quoi. Celle-là, elle est juste nulle. Même si j'aime beaucoup ta tenue. Ma chère. On va te mettre autre chose. Mage rouge. TB initial plus 50. Âme de mage rouge. Et max attaque légère niveau 2. Ruine lente. En plus, on gagne un nouveau truc. Libératrice d'âme. Ouf. Ouf. Force magie, vitesse d'ATB. Par contre, les couleurs, on repassera. Et c'est trop laid. Vitesse d'ATB. Mmh. Ouais. J'ai quoi sur les autres? Ah, j'utilise déjà en fait grâce divine. C'est vrai que j'avais d'autres boucliers en fait. Parce que celui-là. Celui-là, je perds de la vitesse de TB, donc. On va mettre celui-là. En accessoire, je touche rien. Toujours rien. Page noire. Ok. Alors, ben, glace. Alors, attaque légère. Poids TB et dégâts moindres. Non, ça, on sort ruine lent mais qui a une longue durée de ligne de choc. Ok. Intéressant. Intéressant. Mais on va essayer, tiens d'ailleurs. Sur lui. On a que lui. Donc on va essayer sur lui. Combattre. C'est quoi? Mage rouge. Alors, ruine lente. C'est de la merde. On va rester sur Nocturne. Hein. Après, peut-être que ça sera mieux sur d'autres... Quoi encore, toi, que t'aimais pas? À la foudre. Attends, en état de choc, du coup, je te mets un nocturne. Ah ouais, l'état de choc, c'est quand même vraiment violent. Parce qu'à un moment, on aura du feu aussi, genre brasier. Nouveau record. Pas de soucis, t'inquiète. Normal, normal. Ouais, ça, on gagne rien. On gagne vraiment rien. Alors, en tout cas, je vais quand même sauvegarder. Hop, hop. Et on va se laisser ici, parce que ça fait quand même 1h08 là. Donc je vous dis bye bye, à la prochaine, c'était Val, portez-vous bien, à plus.